Johnson dit qu'il lutte contre le communisme au Vietnam. Bon. D'accord. Mais ça prouve donc bien qu'il y a deux formes de communisme. Bah oui, puisqu'en Europe, il ne lutte pas du tout contre le communisme. Bien au contraire, il signe des accords avec Moscou. Il invite les nageurs hongrois dans les piscines de Los Angeles. Il invite aussi les violonistes tchèques pour jouer avec le Boston Symphony Orchestra. Il construit des usines en Roumanie et en Pologne. Tandis que les usines de Hanoï, elles, boum, il les détruit. Donc bien qu'il y a deux communismes. Un communisme dangereux et un communisme pas dangereux. Un communisme contre lequel Johnson doit lutter et un communisme auquel il... Et pourquoi est-ce qu'il y a un communisme qui n'est plus dangereux? Eh bien parce qu'il a changé. Car les Américains, eux, ils n'ont pas changé du tout, ils restent toujours une puissance impérialiste. Donc, si les Américains n'ont pas changé, c'est forcément les autres qui ont changé. Les Russes et leurs amis. Ils sont devenus des révisionnistes. Et avec cela, les Américains peuvent s'entendre. Tandis que les autres, les vrais communistes, ceux qui n'ont pas changé, ceux-là, il faut absolument leur foutre sur la gueule. Et c'est exactement ce qui se passe. Ou avec la complicité consciente et inconsciente à la fois des Russes, les Américains luttent contre le vrai communisme, contre la Chine.